Alors après la zone d'abattage, je suis venu ici sur ce qu'ils appellent la zone de compensation. Donc vous voyez, c'est écrit sur ce panneau, zone de compensation écologique. Ici, nous aménageons des espaces naturels. Alors voilà ce qu'ils aménagent. Donc ils commencent par couper. Hein, voilà. Ici, bon, c'est l'arrêté préfectoral, on a le droit. Voilà, et on a le droit de quoi ? De couper, 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 couper. Voilà. Donc là, ici, ils se sont arrêtés là quand hier on a filmé. Et là, ici, ils sont partis le long du chemin. Parce que dans le cadre de cette zone de compensation, il faut bien débroussailler le bord de la route. Parce que c'est quand même par là que vont passer les camions. Donc ce serait dommage quand même que la zone de compensation avec ses arbres, sa végétation gêne. Donc on les entend là au loin en train de couper les arbres. Voilà, je présume que ce qu'on voit ici va être ensuite continué tout du long. Ils vont abattre des arbres, non content d'avoir abattu ceux sous la 4 voies, la future 4 voies, enfin future qui n'existera pas parce que on combat et on lutte et on va gagner. Mais en plus, la zone de compensation, pour eux, c'est un lieu qui n'existe pas en termes naturels. Donc on va tout détruire.